Le rendez-vous est donné. Ce vendredi 14 mai 2021, France 3 diffuse un documentaire inédit intitulé Archives secrètes. Dans ce dernier, le présentateur Laurent Delahousse propose aux téléspectateurs une plongée au cœur de l'intimité de nos idoles. De Joe Dassin à Claude François en passant par Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Dalida et Alain Delon, il donne à voir et à entendre des séquences peu connues du grand public sur la vie de ces célébrités. L'occasion donc d'en apprendre davantage sur leur vie privée mais aussi de découvrir des images jamais diffusées. D'ailleurs, le couple mythique formé par Sylvie Vartan et Johnny Hallyday est également de la partie. Comme tous les autres, les téléspectateurs pourront ainsi découvrir leur intimité. À noter que toutes les images du documentaire ont été dénichées dans des fonds privés, des albums de famille ou encore des films personnels. Elles sont précieuses, rares et toutes ces pépites sont pour la première fois mises en lumière pour raconter d'une manière totalement inédite et surprenante l'intimité de nos idoles. Pour la première fois également, des proches ont accepté de témoigner. Par exemple, Maryse Grimaldi, la première compagne de Joe Dassin, ses fils Jonathan et Julien et Claude Lemel, son parolier, se sont exprimés. De son côté, Jacques Wolfson, éditeur et directeur artistique de Françoise Hardy et Jacques Dutronc, a fait d'amusantes confessions. Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer. La face cachée des stars, des commentaires off. Nous avons voulu laisser toute la place au témoignage, avec l'envie de se plonger la tête dans les archives pendant 2 heures, a expliqué Laurent Alain Caron, réalisateur du documentaire au Figaro. Si est-ce un bonheur de basculer tout le monde en off et de se dire que ce qui compte, finalement, ce n'est pas tant la tête des gens que ce qu'ils racontent.